Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Hola Tua, le magazine de la culture surf. Beaucoup de choses ce mois-ci, notamment une rencontre avec Johan Duru, l'Hollandais, qui sera remplaçant cet été en équipe de France lors des Jeux Olympiques de Tokyo. Rencontre également avec la référence du surf de grosse vague, Justine Dupont. Mais auparavant, pour commencer cette émission, comme chaque fois, toutes les images de la planète surf. Johan Defay, tout près du bonheur. Lors de la cinquième manche du circuit professionnel en Australie, la Réunionnaise n'est battue qu'en finale, après avoir éliminé la quadruple champion du monde, Carissa Moore en demi, la tricolore qui n'avait plus atteint ce stade de la compétition depuis septembre 2019 est désormais cinquième mondiale. Nettement moins de réussite pour Jérémy Flores. Lors de la tournée australienne, éliminé en repêchage, le Réunionnais descend à la 18e place. Son compère Michel Bourrez est 27e mondial, notamment grâce à ce tube quasi parfait, noté 9,63 sur 10. Pendant ce temps, à l'autre bout de la planète, la côte landaise et les lignes parfaites d'Hossegor, terrain de jeu idéal pour Vincent Duvignac. Un peu, beaucoup même de technique pour terminer. La perfection et la beauté du geste de Clément Rossero aux Canaries. Johan Duru, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez le plus manqué ? Quoi, l'adrénaline de la compétition quand même, hein, si vous avez participé à quelques épreuves, mais ce n'était pas le tour mondial et tout ça, c'est vraiment l'adrénaline ? En vrai, j'ai bien aimé ce break parce que l'été c'était long, mais là cet hiver on a eu des super vagues et je suis resté ici, on n'a fait que surfer et ce que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait, rester à la maison, on a eu des vagues de fou et faire que des tubes pendant 3 à 6 mois, ça faisait du bien. Du coup, je me suis vraiment éclaté et ça m'a fait grave du bien. Le plus dur, c'est de couper, alors avec ici, en fait, c'est de partir d'ici, en fait, le plus dur maintenant, c'est ça. Mais non, en vrai, que j'avais oublié comment c'était ici. Non, mais en vrai, ça fait quand même longtemps que je faisais de la compète. J'avais passé 3 ans dans le CT à faire CTQS à fond. Les années d'avant, j'étais vraiment à fond pour me qualifier, donc ça faisait au moins 6 ans que j'étais à fond compète et que compète toute l'année. Et là, du coup, ça m'a fait du bien de surfer et de... Enfin, j'ai jamais perdu le plaisir de surfer, mais de surfer des belles vagues à la maison, faire des tubes, on a eu des vagues de malades, ça faisait vraiment du bien. Aujourd'hui, vous êtes un peu plus dans le surf plaisir que compétition ? Là, c'est vrai que même j'ai préparé la compétition qui arrive autrement. Je suis toujours motivé, mais j'ai réussi à faire ce que je voulais, à me qualifier dans le CT, qui était mon rêve d'enfant. Et maintenant, je prends plus de plaisir. Là, je vais à la compétition motivée, tout ça comme avant, mais beaucoup plus relax. C'est un mode, j'y vais pour m'amuser et surfer, toujours concentré, mais beaucoup plus relax. Ouais. Remplaçant au JO, c'est déjà bien, très bien en soi, mais c'est une situation un peu entre deux, parce que vous y serez sans y être pour l'instant, tout ça ? Oui, j'y pense pas. Si ça vient, tant mieux. Sinon, je suis super content qu'il y ait Jérémy et Michel. J'espère qu'ils vont gazer. Je ne sais pas, on ne sait jamais, mais j'y pense pas du tout. Qu'est-ce que ça peut changer pour le surf, vous pensez, d'arriver au JO ? Il y a un débat forcément dans le surf. Il y a à la fois le côté, on n'est plus trop dans l'esprit du surf, mais c'est la compétition. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vrai que là, ça fait un peu bizarre. Il n'y a jamais eu, nous, c'était pas un objectif, parce que notre objectif, c'est WSET, qu'on est tout petit. Et d'être champion du monde, c'est le WSET. Maintenant, il y a les JO, donc c'est différent. Je pense que la première année, c'est être une étape à passer. Après, c'est sûr que ça sera un objectif pour tous les surfeurs. Mais c'est vrai que là, tout le monde est super content d'y aller, tout ça, mais ce n'était pas un objectif à court terme. Ça vient d'arriver, mais je pense qu'après, c'est super pour le surf. Le grand public, il va encore plus connaître le surf. L'année 2024, c'est à Tupou, il y aura des vagues de fou. Donc, ça va être top pour le surf. Ouais. Merci beaucoup, Johan Duru, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis, à bientôt sur les vagues et bonne chance. Plein de bonnes choses, on vous souhaite pour cette année 2021. Merci. Merci à vous. Oh.
Autre figure tricolore, cette fois-ci en handisurf, il s'agit d'Éric Dargent. En 2011, il avait été grièvement blessé à l'issue d'une attaque de requin chez lui à La Réunion. L'une de nos équipes l'a rencontré récemment à Martigues, dans les Bouches-du-Rhône. C'est un reportage d'Éric Santas et Jean-Yves Potra. Éric Dargent s'est remis debout sur sa planche, en compétition comme en loisir. Mais avec cette dédicace pour Elio Canestri sur sa planche, rien ne s'efface. C'est quelque chose qui est toujours présent. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une attaque à La Réunion, à chaque fois qu'au niveau de l'actualité, on entend parler de La Réunion par rapport à ces dramatiques accidents, il y a toujours quelque chose en moi qui souffre. Et même 10 ans après. L'attaque, il en a été victime le 19 février 2011. Un requin bulldog lui broie la jambe gauche. Devant chez lui, à Martigues, ses os sont limpides, comme à La Réunion. Éric revoit tout. C'est quelque part une deuxième chance, une deuxième vie. Je suis passé à côté de la mort. Au moment de l'accident, j'ai vraiment senti que si je me laissais aller, je partais. Et ce moment-là, il a été un flottement incroyable. Je me suis raccroché à tout, aux sensations que j'avais, aux voix que j'entendais, aux gens qui me soutenaient, qui me disaient « vas-y, tiens bon », à l'aide des gens qui sont venus me mettre un garrot, qui m'ont ramené sur la plage. Quand j'ai eu mon accident, j'étais encore sur la plage. Les pompiers n'étaient pas encore arrivés. Que déjà, je demandais à ce qu'on aille chercher ma planche. Je voulais continuer à resurfer, je voulais continuer à vivre. Je savais déjà que j'allais retourner à l'eau. Cette force en lui, malgré une amputation fémorale, va lui permettre de regoûter des sensations qu'il croyait à jamais perdues grâce aux médecins et aux prothésistes. Cette première vague où je me mets debout, en travers, et ça marche, je suis là, ça glisse. Et cette sensation, j'ai encore des frissons de bonheur, quoi, parce que ben, tu te dis, ça y est, j'y arrive, je glisse, c'est bon, je tiens debout. Mais aujourd'hui, j'ai plus ma jambe, c'est comme ça. Je peux pas faire machine arrière. Et j'ai été obligé aussi d'accepter ça. Ça a été long aussi d'accepter ça. Désormais, Éric se bat pour les handicapés, pour leur permettre de s'en sortir grâce à son association Surfeur d'Argent. À 43 ans, il délivre un message d'espoir, de liberté, une belle prise de conscience. J'espère surtout de tout mon cœur qu'un jour, La Réunion réussira à retrouver cet équilibre où l'homme et la mer font qu'il y a une vie. Il faut arriver à saisir ces choses qui sont simples, qui font du bien et qui nous aèrent la tête. Même si je ne vais pas dans l'eau, c'est quelque chose qui me fait du bien. Sa renommée a traversé tous les océans, jusqu'ici sur l'Atlantique, depuis 3 générations, Kevin Hemingway est peut-être le shaper le plus connu de Polynésie. Reportage à Tahiti, Maruki Duri. Ok. Perfect, Kevin. Ok. Ça va très bien. Ok. C'est un homme au grand cœur, d'une grande humilité. Kevin Hemingway, 65 ans, est né en Floride. Il a le surf dans les veines. Et naturellement, il tombe amoureux de la Polynésie et de sa femme Tehani au début des années 80. Devenu shaper, après avoir été formé à Hawaï, il sort ses propres planches de surf et ses longboards à partir de la fin des années 80. Et j'ai toujours été fasciné par les planches, mes premiers longboards. Et pendant toute l'ère de 60s, de surfing boom, les planches sont évoluées et puis la quête des surfeurs sont toujours d'avoir le magic board. La planche parfaite, une quête presque éternelle tant la technologie peut évoluer. Kevin, lui, a appris la noblesse du métier de shaper avec Eric Arakawa, une légende du surf hawaïen. Le shape à Eric, c'est une planche qui était très adaptée pour Polynésie parce que les vagues sont similaires, puissants et creux. Donc on avait une formule assez compatible pour faire des bonnes planches. Aujourd'hui, l'Americano-Tahitien sponsorise plusieurs surfeurs locaux. Le soutien aux athlètes en leur fournissant du bon matériel, c'est une philosophie pour Kevin. Déjà, à la belle époque, il façonnait les planches de surf des meilleurs. Pocho, Alain, Tevano, Michel Desmond avec Naru Magazine, avec Mono David, c'était fait le shooting pour les longboards. Avec Kelly, avec Erani, mes enfants.
nostalgie. Là. Ouais, nostalgie. Kevin Hemingway a connu trois générations de surfeurs et a grandement contribué à l'essor du longboard en Polynésie. Aujourd'hui, il continue de produire ses planches dans la plus grande discrétion. Lui, le surfeur chrétien, qui s'estime béni de vivre entre terre et mer. On a vécu des belles moments dans les années 80, tu vois, c'était notre c'est freestyle, quoi. Dans les îles aussi, c'était merveilleux, on ne peut pas replacer ces souvenirs. C'était la belle époque. Et, bon, je suis fier de faire partie de les surfeurs de Tahiti, quoi. Ouais. Ce jour-là, les conditions elles étaient juste magiques. Il n'y avait pas de vent et une très grosse houle, donc ce qui est très rare à Nazaré. Fred, il a vu une vague qui était particulière, qui était différente. J'ai lâché la corde sur une bombe atomique. Maintenant, c'est à moi de jouer. Et là, je me dis, vis ce moment à fond. À fond. C'est maintenant. Ça va durer que quelques secondes, mais c'est maintenant. Je suis partie sur la vague, je commençais à aller de plus en plus vite. Sentir que la vague devenait tellement immense derrière moi, c'était presque effrayant mais excitant. Elle était en train de se lisser sous mes pieds. Moi, je fusais. Et là, j'ai senti l'explosion derrière. Je me suis fait recouvrir par la mousse. Et je sais pas, c'était un petit moment juste magique où t'es dans la vague et tu fais un avec elle. T'es même plus en train de surfer, t'es dans la mousse. Il y a tout le temps qui s'arrête. Et hop là, je suis sortie de la vague. Et c'était juste dingue parce que j'étais encore sur ma planche comme ça. Et il y avait Fred. Et Clément qui avait le smile jusqu'aux oreilles. Et là, boah, t'as pas besoin de parler. Hein. Là, on avait tous compris qu'on avait pris la vague. Et c'est là que tu te rends compte que, ouais, on fait tous ces entraînements, ce temps dédié à ça pour vivre ces émotions-là. Et voilà, on l'a vécu. J'ai surfé la plus belle et grosse vague de ma vie. Le 11 février 2020, à Nazaré. Just off the top of my head, it looks pretty. It's definitely a contender for the biggest wave ever ridden. I'm one of the judges for that, so I've got a pretty good eye. Girl, it's a good ride, man. For anybody, you don't have to say it's for a girl. It's for a human. It's an amazing feat. So you don't have to be a girl or a boy. Je suis pas très fan de... Voilà, des athlètes en général, mais j'ai un énorme respect pour Justine, pour ce qu'elle fait en tant qu'athlète, mais surtout pour la personne qu'elle est en dehors de l'eau. Et je trouve que c'est ça le plus impressionnant chez Justine. Bonjour Justine Dupont. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue aujourd'hui ici à l'intérieur d'un cinéma bordelais. Dans quelques instants, il y a la projection du film documentaire qui vous est consacré, Enfer et Paradis. Sacré titre. Oui, je pense que ça résume vraiment Nazaré. Et ce qu'on vit, toutes les émotions, parce que c'est hyper positif et des fois, ben voilà, c'est plus dans le dur, ça fait plus peur qu'envie. Donc voilà, c'est sorti un peu tout seul, Enfer et Paradis, mais ça résume pas mal l'ambiance qu'il y a à Nazaré. Ces derniers mois, c'était plutôt au paradis, non ? Ou pas pour vous ? Parce que dans le film, vous revenez notamment sur cette fameuse vague, cette bombe atomique, comme vous dites, que vous avez surfé l'hiver précédent. C'était plutôt le paradis pour vous ? Oui, alors après une saison, c'est rempli de hauts et de bas hein, et on retient le haut. Mais c'est vrai que la saison dernière, elle était fantastique, avec des très beaux hauts, de très belles vagues. Et cet hiver dernier, encore mieux avec des belles vagues à Nazaré, à Mavericks et à Jaws, donc vraiment chouette aussi. Donc je suis hyper contente et fière de ma saison. Et la saison dernière, c'est sûr que c'était vraiment intense à Nazaré. Et le fait d'avoir toute l'équipe qui nous suivaient, qui ont documenté ça, c'est chouette parce que voilà, aujourd'hui on peut le montrer sur un grand écran et transmettre toutes les émotions qu'on a vécues ensemble, le transmettre à un public et à plus de monde. Surfeuse de gros, c'est plus qu'un sport évidemment, c'est une philosophie, un art de vivre, une mentalité à part. Oui, après pour moi c'est surf de gros, c'est parce que tout simplement quand j'ai commencé le surf, j'aimais aller surfer en famille, entre amis, avoir cette liberté de rester toute la journée dans l'eau, d'avoir cette proximité, ce partage qu'on a aussi avec les amis dans l'eau. Puis après la compétition, on perd un peu ça.
Et le fait de revenir sur les grosses vagues, ben c'est ça, voilà, je retrouve cette solidarité qu'on a dans l'équipe, toutes ces émotions et le fait de cette liberté aussi de pouvoir créer son chemin, chercher les vagues et que ça soit nous qui dictons un peu par rapport à nos envies, tout simplement, ce qu'on veut surfer, comment on veut le faire, comment ils veulent filmer. Enfin voilà, il n'y a pas de règles, c'est toi qui crée tes propres règles. Est-ce qu'il faut un peu, ou beaucoup même, je ne sais pas pourquoi, un peu d'ailleurs, de folie, pour se lancer dans ces monstres d'écume comme ça? Non, je pense qu'il faut une petite touche de... Au bon sens du terme, folie, évidemment, mais oui. Il faut quand même aimer le risque. Il faut avoir envie de faire quelque chose de différent, il faut avoir envie, tout simplement, envie, voilà. Qu'au fond de notre cœur, on soit attiré par ça. Et autant pour Antoine, Alex et Boula qui ont fait je ne sais pas combien d'allers-retours pour venir nous voir et filmer, et c'est des sacrifices hein, pour tout le monde. Donc il faut avoir envie, être engagé, et après le résultat il est là. Hein. Si on aime, on compte pas. Les images elles sont assez extraordinaires hein, quand même, complètement extraordinaires quand on les voit. De l'intérieur, la sensation est aussi extraordinaire. Qu'est-ce que vous ressentez vraiment quand vous descendez? Il y a d'abord le bruit, j'imagine, mais pas que. Il y a la vitesse, il y a tout ça. Ouais, tu vis tout simplement. Tu es sur la vague, tu vis, il y a tout qui s'arrête et il y a tous tes sens qui sont en éveil. Et voilà, tu as quelques secondes de magie. Ça fait beaucoup de bruit? Oui, ça fait du bruit, mais c'est pas forcément. C'est un tout. Comme tout, il n'y a pas un numéro de vitesse, de taille, c'est juste ça va vite, il y a du bruit, il y a une ambiance particulière autour et c'est un tout, c'est un mélange de plein de choses. Qu'est-ce que vous avez envie de faire de plus ou de mieux? Alors Nazaré toujours, hein, j'imagine, bien sûr, mais qu'est-ce que vous pouvez faire de plus en fait? Parce qu'on se pose la question quand on voit déferler une vague de 20 et quelques mètres, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus? On peut toujours faire différemment, tout simplement. Faire le surf, c'est surfer une vague, c'est décider des courbes, des lignes. Donc moi, je peux surfer différemment la vague, je peux aller dans des endroits différents, amener un peu cette touche un peu plus d'aventure ou documenter cette touche d'aventure qu'il y a dans les grosses vagues. Et voilà, et Alex, Boula, Antoine, je sais qu'ils peuvent faire carrément encore mieux. On est encore plus proches, encore plus amis. Et c'est vrai que voilà, ils ont cette force de pouvoir être là, mais qu'on fait pas attention parce que c'est un ami, pas une caméra, et on est avec eux nature, et c'est cool parce qu'ils arrivent vraiment à capter des moments intenses quand on est vraiment dans le dur, ou alors quand on est tout simplement heureux ou en train de se questionner. Donc c'est ça qui est chouette, c'est vraiment capter l'humain avant tout dans ce challenge, tout simplement. En termes de préparation, Justine, si vous êtes une sportive de haut niveau, c'est une préparation qui est très très intense, très lourde ou pas? C'est une préparation, oui, mais comme tout, si on veut remplir un objectif, il faut passer du temps, se dédier à ça, complètement, oui. On est parti avec Fred pendant 5-6 ans, enfin là on habite à Nazaré, et c'est sûr que c'est une vie que tu dédies. Donc si tu aimes et tu as envie, il n'y a pas de souci, mais voilà, il faut être conscient que c'est énormément de temps et d'implication, mais si on aime ça, ben c'est parfait, c'est que c'est notre bonne route, la bonne route à prendre. Juste une dernière question, Justine, sur cet été, le surf au JO, pour la première fois, vous y serez d'ailleurs, consultante pour France Télévisions, vous auriez aimé les faire, ces Jeux? Cette année, non, c'était beaucoup trop d'implication pour moi, et il y avait des saisons de grosses vagues que je ne pouvais pas faire. En fait, la fédération a imposé des critères beaucoup trop compliqués pour moi, je ne pouvais pas faire les deux. Mais bon, si ça, ces critères sont possibles pour moi, pour Tupo, du coup, pourquoi pas? On verra. Mais là, merci. Pour l'instant, je vais commenter du coup avec France Télé. Merci beaucoup, Justine Dupont, vous avoir accordé ces quelques minutes. Bonne merci. Chance, et puis enfer et paradis, les deux, l'un ou l'autre parfois. Le surf de grosses vagues que vous faites très très bien depuis plusieurs années. Merci, à très bientôt, Justine. Merci. Merci beaucoup. Et Justine, vous le savez bien, en surf, il faut protéger également ses oreilles. Le risque, c'est ce que l'on appelle l'exostose. C'est le dossier Surf et Santé de cette émission, signé Guillaume Dequet, Talia Nelobo. Qu'il le veuille ou non, le surfeur de Nouvelle-Aquitaine est un surfeur d'eau froide. Même avec une eau à 22 degrés l'été, il n'est pas à l'abri de l'exostose. Romain Fautou surfe depuis 25 ans. Opéré des deux oreilles il y a 5 ans, le bodyboarder doit repasser sur le billard, victime d'une maladie encore un peu taboue. La première fois que j'ai entendu parler d'exostose, c'était il y a 8 ans,
On s'est tous rendu compte que quand on est chez le médecin, qui nous auscultait, qui regardait nos oreilles, et petit à petit, en échangeant les uns avec les autres, on s'est rendu compte qu'on avait tous des exostoses et donc des douleurs plus ou moins prononcées. Les otites à répétition, mais surtout l'eau qui stagne dans l'oreille, peuvent rendre fou. On essaye beaucoup de choses. On peut essayer de se tirer l'oreille, de sauter pour essayer de faire sortir cette eau qui est bloquée, utiliser des sèche-cheveux, utiliser des pailles pour souffler, pour essayer de faire sortir l'eau. L'exostose est plus répandue qu'on ne le croit dans la population, mais elle passe souvent inaperçue car elle n'entraîne pas de surdité. C'est un os qui se développe dans le conduit auditif externe, dans sa partie osseuse. Donc on a une partie cartilagineuse et la partie osseuse qui est très proche du tympan. Et l'os se développe ici et ici. C'est le froid qui arrive dans le conduit qui stimule la vascularisation et du coup la croissance de l'exostose. Le docteur Seyeux, surfeur lui-même, est parti se former à Santa Cruz en Californie. Une technique chirurgicale des années 50 et ses outils ont été remis au goût du jour. Ce sont les ciseaux à os. L'opération sous anesthésie générale est très peu invasive. Le but de l'intervention, c'est de retirer le surplus osseux en créant le minimum de complications et en ayant une guérison la plus rapide possible. Donc voilà, on enlève les petits fragments osseux. Le docteur Seyeux opère une centaine de patients chaque année, pressés de resurfer, comme Romain. Retour dans l'eau dans 15 jours. La mèche que j'ai dans l'oreille qui sera enlevée, je pense, semaine prochaine. Le vent froid peut aussi favoriser l'exostose. Avis aux amateurs de sport nautique, les bouchons d'oreille permettent de retarder le phénomène. Je vous propose maintenant de découvrir un surfeur un peu particulier. Il s'appelle Joao, il est musicien, au point désormais d'en faire son métier. Des Caraïbes à l'île d'Oléron, itinéraire d'un enfant doué, signé Olivier Rioux. Red, this house is all painted red. Joao est un enfant de la mer. Il est né dans l'eau entre les Bahamas et le golfe du Mexique il y a 21 ans. Tout son univers tourne autour de l'océan. Le surf comme la musique, celle qui compose, et les textes qu'il écrit. Je m'appelle Joao parce que ça veut dire « joie dans l'eau ». J'ai grandi aux Antilles, j'ai toujours surfé, toujours été en train de pêcher depuis tout petit. La musique, pareil, mes parents ont toujours été dans ce milieu-là, donc j'ai baigné dedans. Ils m'ont vraiment éveillé à ce domaine-là. Et voilà, je m'en suis rendu compte à la fin de mon lycée que je voulais faire ça de ma vie. Il y a 6 ans, toute la famille débarque sur Oléron. Une île, une autre, sur l'Atlantique, une nouvelle vie, mais toujours la même histoire. J'ai toujours voyagé, que ce soit aux Antilles ou d'autres pays. Il faut savoir s'adapter et trouver les occupations dans le milieu où on est, en fait. Il y a toujours quelque chose à faire. The Beginning of the End, premier album autoproduit enregistré à Paris au studio 180, à l'ancienne, en une prise, la marque de fabrique de Joao. Je mets un point d'honneur à faire de la musique entre guillemets authentique, sans artifice, avec guitare acoustique, une batterie, une basse, les bases à l'ancienne. Et voilà, de montrer qu'on peut encore faire des choses sans ordinateur, sans trafiquer. Ouais, j'utilise vraiment ça comme une bouffée d'oxygène, même si je surfe tous les jours et que j'ai pas à me plaindre d'un travail régulier ou tout ça, mais faut profiter de ce qu'on a autour de nous, petit rayon de soleil, une petite vague, voilà. Même si je prends qu'une vague dans la session, je profite du moment présent. Six titres pour cet opus acoustique, histoire de se jeter dans le grand bain avant de se mettre à l'eau sur les scènes françaises. C'est la fin de ce numéro d'Ola Tua. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans un mois pour d'autres aventures. D'ici là, portez-vous bien et profitez de la mer et de l'océan.